Salam alaikum Azoul, bonjour, bonsoir à tous les supporters algériens. J'aimerais revenir sur l'interview qu'a fait Islam Slimani avec Nabil Jelit sur France Football. Excellente interview que je vous invite à aller lire sur le site France Football. Donc il parle déjà plus ou moins de sa carrière, des hauts et des bas qu'il a connus. Déjà, le fait d'avoir joué avec Riyad Mahrez, pour lui, c'est le meilleur joueur avec qui il a joué. On voit déjà que c'est quelqu'un qui va vraiment mettre en avant non seulement la qualité du joueur, son coéquipier en équipe nationale, un Algérien comme lui. On voit déjà que c'est une équipe soudée. Ils se soutiennent entre eux. Aussi, il fait comprendre que Belmadi, c'est lui, c'est tout. C'est la victoire en Coupe d'Afrique, c'est Belmadi. C'est pas les joueurs, c'est Belmadi. Il le fait comprendre. Il dit aussi, ça c'est une chose très importante, qu'il faut arrêter de courir après certains joueurs et qu'il faut respecter les joueurs qui sont en place. Sur ce point-là, je suis d'accord. Par contre, sur un point, je suis un peu hésitant. Après, je ne sais pas s'il parle des joueurs qui ont refuser l'équipe d'Algérie ou alors s'il part des joueurs pour certains parfois certains joueurs binationaux dans le sens où ces personnes-là, mis à part leurs parents et le fait d'aller en vacances, ils n'ont rien à voir avec l'Algérie. Ça me bloque un petit peu parce que ce n'est pas parce que tu vis à l'étranger, que tu viens juste en Algérie pour les vacances de tes parents sont algériens, que tu n'es pas algérien. L'Algérie, tu peux l'avoir dans le sang, même si tu es en Nouvelle-Zélande ou au fin fond de l'Alaska. Hein. Ça, c'est. Non, non. Non, non. Ça, c'est. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Ça, je le dis clairement. Parce qu'on a vu vraiment la fierté des joueurs binationaux, notamment à l'épopée d'Omdourmen. Dormen. Hein. Ça, faut pas l'oublier. Faut pas oublier qu'il y a des joueurs qui ont sacrifié leur carrière pour l'Algérie. Il y en a qui se sont blessés gravement pour l'Algérie et au final, ils n'ont pas eu de carrière, ou alors leur carrière a duré juste quelques années, c'était rapide. Il faut pas avoir la mémoire courte. Après, il nous parle, lui, certes, de Ben Lamri, Belaïli, Bounjah, son champion d'Afrique, oui. Parce qu'il y a eu le bon coach. Il y a eu le bon coach qui a su se servir des joueurs, bien comme il faut en Afrique. Mais Vahid à la Coupe du Monde au Brésil, il a su se servir de Djabou. Et pour moi, Djabou, c'est au-dessus de Belaïli. C'est juste qu'il n'a pas eu de chance avec son président de club à Sétif. Halish, il s'est retrouvé à 24-25 ans en Europe. Franchement, voilà. Et c'est du haut niveau, Halish. C'est juste que voilà, ça n'a pas marché pour lui en Angleterre. Mais voilà. Non, à un moment, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est non, non. Et en attaque, Slimani Soudani, Vahid, il a su se servir de Slimani Soudani, hein, l'un des meilleurs duos qu'a eu l'Algérie. Hein. Peut-être même le meilleur, le plus prolifique. Hein. Mais en tout cas, ça a été vraiment. Slimani, c'est un exemple pour le joueur local. Il vous montre à quel point. Si vous êtes persévérant, que dans votre tête, vous restez concentré, que vous ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous et que même dans les moments les plus difficiles, vous gardez la tête haute et vous y croyez toujours, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Franchement, c'est une très, très, très bonne chose. Il a expliqué aussi que la CAN 2013, ils étaient en construction et qu'ils étaient un peu, ils étaient jeunes et naïfs. Quelque part, c'est vrai. Mais. Faut pas oublier qu'à la CAN 2013, même on s'est fait éliminer au premier tour, on a eu le deuxième meilleur jeu de la Coupe d'Afrique après le Nigeria, vainqueur de l'édition. Parce que franchement, on avait du jeu, mais par contre, le ballon ne rentrait pas. Pour 2015, c'était une illusion dans le sens où on avait un coach qui ne maîtrisait pas l'Afrique et surtout. Ça manquait de rigueur et de discipline, chose qui n'est pas revenue jusqu'à l'arrivée entre coach Vahid et coach Belmadi, vous voyez, 4 années quand même. Mais bon, en tout cas, très très bonne interview. Bien sûr, après, non, on n'est pas en train de
Il a expliqué que faut qu'on se respecte dans le sens où il faut qu'on arrête de courir après des joueurs qui refusent de jouer avec l'Algérie. Non, à partir du moment où le joueur est encore sélectionnable, on montre notre intérêt. Parce que nous, le but, c'est pas qu'on reste avec l'équipe actuelle et elle bouge pas. Et chaque équipe nationale, même une équipe forte, son niveau, les gens demanderont à ce que le niveau soit plus élevé. Et l'Algérie doit encore se perfectionner parce qu'on est encore limite à certains postes et on montre encore parfois de la fébrilité. Il faut encore monter vers le haut parce qu'on a encore une large marge de progression. Et surtout, n'oubliez pas que certains joueurs arrivent à un certain âge. Il faut penser à l'avenir. C'est tout ce que j'ai à dire. Déjà pour la Coupe du Monde 2022, je peux vous assurer que certains joueurs, ils seront plus au top peut-être. Donc il faut penser à ça. Il faut un groupe, il faut un banc. Certes, pendant la Coupe d'Afrique, on a prouvé qu'on avait deux équipes, mais bon, une deuxième équipe qui peut gagner contre la Tanzanie. Je doute que la deuxième équipe aurait gagné contre le Nigeria ou le Sénégal. On est d'accord. Ce qui est sûr, c'est que oui, bien sûr, tant qu'il y a des joueurs qui sont sélectionnables, on aimerait bien qu'ils rejoignent l'équipe d'Algérie. Après, oui, ils aiment l'Algérie. Ça se trouve, ils sont encore plus attachés que l'Algérie que même certains Algériens. Après, bien sûr que c'est plus facile pour un joueur local. Il peut jouer que pour l'Algérie, il ne pourra pas jouer pour une autre nation. C'est pas comme un joueur qui est ici, par exemple en France. Bien sûr qu'il aura le choix. Il y en a qui vont jouer à la sécurité, ils se disent que voilà, on va peut-être jouer souvent le mondial et même la remporter, mais après, ils n'ont pas d'assurance de jouer. En Algérie, tu as beaucoup plus de chances et surtout, c'est une question de. Voilà, c'est pas parce que qu'un joueur il joue pour un autre pays qu'il n'aime pas l'Algérie. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais ce qui est sûr, tant qu'un joueur est sélectionnable, on voudra qu'il rejoigne l'équipe d'Algérie. On aurait aimé que Benzema, Nasri, voilà, qu'ils jouent pour l'Algérie, mais voilà, ils ont fait un choix sportif. Et rapidement. Voilà. C'est juste que pour d'autres, ça a traîné un peu plus. Voilà, c'est ça qui était dérangeant. Après, pour Fekir, c'est un peu spécial, parce que le matin, il est en équipe d'Algérie, l'après-midi, il est en équipe de France. Ça, par contre, c'est comportement impardonnable, mais ça ne veut pas dire que c'est un vendu. Après, je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, on ne va pas non plus à la guerre, hein, c'est un sport, hein, faut se calmer un petit peu. À la guerre, si ça se trouve, il y a des Algériens pur sang, ils vont se cacher. Donc, il y a un moment où il faut mesurer ses propos. En tout cas, excellente interview de Slimani. Pas de différence entre les locaux et binationaux, parce que quand il y a ce problème-là, je peux vous assurer, ça se répercute sur l'équipe nationale en négatif. Voilà. Et n'oubliez pas que beaucoup d'Algériens en Europe aimeraient jouer pour l'Algérie. C'est juste que des fois, c'est un peu plus compliqué que ça. Je vous dis à très bientôt et vive l'Algérie, vive Coach Belmadi. Salam alaikum.